Alors, bonsoir à vous, bonsoir à vous, en espérant que vous vous portez bien. Eh bien, écoutez, moi, ça va à merveille. Je suis très content, très, très heureux de tomber sur vous ce soir, une fois de plus, on va dire. Notre série a bel et bien débuté au jour d'aujourd'hui, ce soir. Je compte réellement sur vous. Et j'espère avoir deux, trois intervenants pour lier réellement l'utile à l'agréable, quoi. Donc, si vous êtes déjà là, n'hésitez surtout pas à réagir. Ashley, bonsoir, sois le bienvenu carrément. Là, je ne sais pas, je ne sais pas là, mais sinon, sois la bienvenue sur ces lives. Et ça va chez toi? Est-ce tout va bien chez toi? Rassure-moi, tu es un garçon ou une fille? Parce que Ashley, ça va dans les deux sens, en fait. Rassure-moi, comme ça je serai bien fixé. En espérant que tu te portes bien, si tel est le cas, sache que je suis très content, très heureux à la fois de t'avoir sur ces lives. Tout va bien, un garçon. Ah, content, content, content que ce soit, on va dire, ainsi. Nous passons pratiquement une quarantaine de minutes. Nous parlerons, on va dire, du sujet qui porte, on va dire, sur les attentes ainsi que la réalité de certaines personnes qui sont déjà ici en Russie, soit, on va dire, dans n'importe quel pays d'ailleurs. Donc voilà quoi. Le plaisir est partagé. Tranquille, tranquille, Ashley. Sache que je suis le plus heureux d'ailleurs. Je suis le plus heureux. Avant d'aller beaucoup plus loin, s'il te plaît, rends-moi mes love, mes cœurs. Envoie-moi mes cœurs. J'ai envie que ça survole. J'ai envie que je le voie un peu de partout sur l'écran carrément, quoi. Puisque ça fait beau. Et puis, ça envoie déjà un message, on va dire, aux autres qui ne sont pas encore là, qui ne nous ont pas encore rejoints. Certainement, ils le feront dans très bientôt, mais envoie-moi mes cœurs, s'il te plaît. Mes cœurs en bas à droite, il y a le cœur qui sont là. Donc, envoie-le-moi, j'en ai réellement besoin. Et en fait, le sujet d'aujourd'hui est les attentes versus la réalité. Les attentes versus la réalité d'ici, on va dire, de la Russie. On ne peut pas non plus exclure certaines personnes qui ne sont pas en Russie. Alors, je parlerai plus, on va dire, de réalité tout simplement, que bon nombre ont croisé, que bon nombre ont déjà rencontré, on va dire, en étant ici. Donc, voilà quoi. S'il y a possibilité pour deux, trois personnes d'intervenir ce soir, je serai le plus heureux. Classe 775, salutations à toi, en espérant que tu te portes bien. Eh ben, écoutez, Family, en attendant que les gens viennent, je vais vous demander, si ce n'est pas encore fait, j'ai une chaîne sur YouTube. Merci, merci pour le cœur qui survole déjà. Merci, merci. Et c'est là, on voit, on va dire, une certaine pression aux personnes qui ne se sont pas encore connectées, de le faire pour que nous passions une excellente soirée ensemble, bien sûr. Je reviens en fait sur ce que je disais. Nous sommes maintenant à 3 sur le live. Soyez le bienvenu, soit le bienvenu, la personne qui nous a rejoint. Bon, jusque-là, je ne reçois qu'un cœur, qu'un cœur. S'il vous plaît, famille, rendez-moi mes cœurs, vous qui êtes connectés, rendez-moi mes cœurs. Déjà abonné sur YouTube, ben, Ashley, sache que je suis très content. Sache que je suis très très content de le savoir, en fait. Je suis très content. En fait, le premier projet, je débute déjà avec des interviews, comme promis. Comme promis déjà, des interviews et tout et tout. Sauf que ce n'est que hier que j'ai débuté suite à une longue période de convalescence. Mais maintenant, ça va. Ce qui est sûr est que maintenant, ça va. J'ai repris du poil de la bête. Maintenant, je pourrais impérativement poursuivre avec ces projets
d'interviews. Et déjà la semaine prochaine, soit la semaine surprochaine, et je vous reviendrai certainement avec des interviews, on va dire, dans la rue, hein, micro-trottoir, comme ça s'est fait, on va dire, un peu partout. Mais ces vidéos-là seront en langue russe, hein, pour essayer également d'angoisser, on va dire, d'autres communautés. Hein. Et surtout, quoi de plus normal d'ailleurs, je vis ici en Russie, et ce sera beaucoup plus normal, on va dire, que certains Russes également, hein, puissent être abonnés à la chaîne et que nous abordions ensemble, on va dire, des sujets, voilà, quoi, qui nous concernent tous, hein, de tout le jour surtout. Ce sera un plaisir énorme pour moi. Léma, salutations à toi, sois le bienvenu sur ces lives. Et au fait, s'il vous plaît, vous qui arrivez là maintenant, rendez-moi mes likes. Au fait, Léma, avant que je ne prenne ton invitation, je te poserai une question, en fait. Hein. Je te poserai une question. Hein. Es-tu prêt? Hein. Es-tu prêt? Puisque j'ai vu l'invitation, je vais y répondre dans pas longtemps. Es-tu prêt à répondre à toutes mes questions? Mais la condition n'est que d'avoir un langage politiquement correct. C'est ce que moi je te demande avant que je te prenne. Si tu es OK, je te prends. D'accord? Tu me réponds maintenant, je te prends. Vois-tu? Et le sujet, yo, frère, comment tu vas? Eh ben, je me porte bien, je me porte bien. Si tu es prêt, je te prends. Avoir un langage politiquement correct. Et ton intervention, pratiquement 5 minutes. Je regarderai pour qu'il n'y ait pas, on va dire, des dépassements, 5 minutes carrément. C'est bon? Je te prends? Le mbeng est bien. Oh là là. Je savais que c'était toi. Je savais, je savais. J'avais une petite idée, en fait. J'avais vraiment une petite idée. Oh là là. Oh là. Oh là là. Ben, écoute. Tout compte fait, je vais te prendre. Hein? Tout compte fait, je vais te prendre. Et puis, voilà, ce sera bon. Bon, ben, malheureusement, il est parti. Ce n'est pas bien grave. Il n'y a qu'une seule personne, on va dire, sur le live. Hein. On va essayer un tout petit peu de patienter, on va dire, hein, quelques minutes. Hein. Une fois, ce sera bon. Tout sera OK carrément. De la Roma Gérard, salutations à toi. Soit le bienvenu sur le live, soit le bienvenu sur le live. Le sujet porte sur les attentes ainsi que la réalité, on va dire. Hein. Que ce soit de la Russie, que ce soit du pays dans lequel vous êtes. Donc, si vous avez besoin d'intervenir, la condition est simple. Avoir un langage politiquement correct, c'est-à-dire normal. Et surtout être abonné sur ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Parce que normalement, je répercuterai cette intervention, ton intervention à toi sur YouTube carrément. J'éteindrai, on va dire, ton intervention et ce sera une vidéo à part entière sur YouTube. Si tu es d'accord, je te prends sur, on va dire, hein, tu m'envoies l'invitation, je te prends sur une interview pratiquement de 5, de 10 minutes, ça dépendra que de toi. Donc voilà, ils boivent, on les regarde. Toi, ne commence pas, ne commence pas, ne commence pas. Татьяна, привет. Добро пожаловать. Как дела? Все хорошо? Eh ben, écoutez, famille, hein, je débutais normalement cette nouvelle série d'interviews hein, depuis hier. J'irai comme ça pendant toute la semaine, pour un début carrément. Et je pourrai mieux régulariser cela la semaine surprochaine déjà, et puis ce sera parfait. De toutes les façons, vous qui êtes présents, sachez-le, le portes sont déjà ouvertes, j'ai envie de dire, hein, concernant le deux projets que je suis en train de mener, les interviews ainsi que le micro-trottoir dans la rue carrément. Hein, ça reviendra et ça débutera dans très très bientôt, dans très bientôt. Et qui plus est, je basculerai sur YouTube à 22h, à 22h. Le rendez-vous est pris sur YouTube à 22h. Donc soyez également là, ça me fera énormément plaisir. Le live est prévu pour quelle heure? À 22h faire, les mains. Le live est prévu à 22h. Envoyez-moi mes cœurs, s'il vous plaît, mes cœurs. J'ai envie que le cœur survole carrément hein, sur mon écran, s'il vous plaît. Envoyez-moi mes cœurs, envoyez-moi mes cœurs. Famille, écoutez,
Hier, ce fut un début. Hier, j'ai pratiquement eu 9, 10 personnes sur le live. Ça a été un truc de dingue. Mais aujourd'hui, là, je ne sais pas, la fièvre, on va dire, hein, est encore là. La température n'a pas encore pris. La mayonnaise n'a pas encore pris. Mais bon, on est là pour une quarantaine de minutes, hein, sans problème. On n'y force rien. Et d'ailleurs, vous avez des questions, des préoccupations, hein? Lancez vos préoccupations, vos questions surtout. Je suis là pour vous, je réponds à tout le monde. À tout le monde, carrément. Enoch Loot, salutations à toi, sois le bienvenu sur le live, Enoch, en espérant que tu te portes bien. Si tel est le cas, sache que je suis très content, très heureux. En fait, le sujet porte sur les attentes ainsi que la réalité d'ici, de la Russie carrément. Donc, allez-y, hein, vous êtes prêts. La condition n'est rien d'autre que d'avoir un langage politiquement correct. Et surtout, être abonné sur ma chaîne YouTube. Ça porte le même nom, on va dire, que ma page Instagram. Et vie ma ouais, t'es normal. Salut mon cher, salut à toi Enoch. Comment vas-tu? Est-ce ça va chez toi? Est-ce tout va bien? Hein? Passes-tu une bonne soirée? Je suis content Enoch. Je n'arrive pas à voir ta photo, mais je me dis, ça fait un moment, ouais, ça fait un moment. Hein? Ça fait un moment. Je te vois plus. Ça fait un moment. Tu t'es fait assez rare. Et moi de même, je n'arrive pas à voir la photo. C'est pas bien grave. De toutes les façons, famille, hein, vous qui êtes en même, hein, vous qui êtes en même de passer un moment d'interview avec moi, on va dire, hein, concernant le sujet d'aujourd'hui, n'hésitez surtout pas. Lancez simplement une invitation, une demande, carrément, je vous prends. Et puis vous passez direct, carrément. Donc voilà quoi. De la Roma Gérard, salut, tu t'en vas? Ben, sois pas comme une étoile filante, frère. Si t'es pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, alors fais-le, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, va sur ma chaîne YouTube, ça porte le même nom que moi, hein, que cette chaîne, on va dire, hein, donc, et c'est mon nom. Tranquille, quoi. Je n'ai pas voulu donner ma chaîne, on va dire, un nom tiers. C'est la raison pour laquelle je conserve le même nom carrément. Je lis rapidement. Laïekébé, salutations à toi. Sois le bienvenu sur le live. Sois le bienvenu sur le live. Sache que je suis très heureux et très content de t'avoir déçu. Rendez-moi mes likes, s'il vous plaît. Mes likes, mes cœurs. J'ai envie de voir survoler plein plein de cœurs et tout. Merci, spasiba Tatiana, spasiba. Je vais très bien, ça fait vraiment un moment. Tu es toujours en Russie? Eh ben, écoute, oui, je suis toujours en Russie, bien sûr, family, je suis toujours en Russie. Eh ben, jusque-là, oui, jusque-là, oui. Eh ben, ma mission n'a pas encore pris fin. Raison pour laquelle je traînasse encore jusque-là en Russie. Donc voilà. Et sinon, qu'est-ce que tu es devenu? Est-ce ça va? Est-ce tout va bien chez toi? Est-ce tout va bien? Vous qui êtes déjà, on va dire, hein, prêt à pouvoir passer en interview avec moi, hein, sachez-le, je suis ouvert à vous recevoir. Envoyez simplement votre invitation et puis je vais nécessairement vous prendre. Et à savoir, personne ne maîtrise mieux, que ce soit le français, que ce soit l'anglais, soit n'importe quelle langue. Tout le monde a des imperfections. Donc, je comprends certaines personnes d'avoir une certaine peur également de parler, on va dire, hein, voilà quoi, devant une sizaine de personnes comme ça, là, tranquille, mais donnez-vous cette peine-là. Peu importe, c'est donc, hein, vous pouvez craindre et tout, hein. Sachez que personne n'est là pour juger qui que ce soit. Donc, vous êtes le bienvenu, carrément. Vous êtes le bienvenu et puis ayez simplement un langage politiquement correct et ce sera parfait. Moi, je compte réellement sur vous et en espérant qu'au jour d'aujourd'hui, ce soir, on aura plus ou moins deux, trois personnes, on va dire, qui interviendront parce que ce sera un peu fade, j'ai envie de dire. Ils sont racistes, le russe? Eh ben non. Non et oui à la fois. Eh ben écoute, donc, c'est une question à laquelle, hein, j'ai largement répondu jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais pourtant je vais me répéter. En fait, je dirais plus, hein, la nouvelle génération est beaucoup plus ouverte, hein, par rapport à l'ancienne. Bon, dans certaines villes, hein, d'autres me diront le contraire que moi, mais bon, il y a plus ou moins,
il y a plus ou moins de regards assez acquisiteurs, il y a plus ou moins une certaine, on va dire, hein, pas mépris, je vais dire, une certaine dédaigne par rapport à la race noire, mais ce n'est pas aussi visible, on va dire, actuellement. Les mentalités ont évolué depuis le temps, et surtout après la Coupe du Monde, hein, beaucoup plus de personnes se sont donné cette peine, hein, de s'ouvrir au monde, et puis voilà quoi, d'être en contact avec n'importe quelle race, et puis de mieux se comporter surtout. Et je te dirais d'emblée, moi personnellement, dans la ville dans laquelle je suis, hein, il n'y a pas assez de racisme carrément assez visible. Mais dans le milieu, on va dire, hein, du point de vue administratif, soit dans le milieu estudiantin, on les sent, mais ce n'est pas assez prononcé. Excusez, ce n'est pas assez prononcé. Donc, voilà, en espérant avoir répondu à ta question, frère. Mais sinon, c'est comment? As-tu fini tes études? Est-ce ça va chez toi? Est-ce tout va bien chez toi? Nous, on va danser. Ben, écoute, les mains. Je me suis décidé de lever un peu le pied, hein, de lever un peu le pied de ces côtés-là, parce que cette plateforme ne doit pas, hein, simplement me servir pour mes dandiner, voilà, pour passer le temps normal comme ça, à m'enjailler simplement. Voilà, quoi, c'est pas correct non plus. Je pourrais, voilà, m'en servir pour vulgariser, on va dire, hein, de messages, et puis assez fort, et on va dire concocter de moments comme ça avec vous pour parler de n'importe quel sujet, surtout des sociétés, des sujets qui vous touchent, hein, des sujets, voilà quoi, qui pourront nécessairement vous aider, on va dire, hein, dans un avenir beaucoup plus proche, soit lointain, hein, ça dépend. Mais je ne raye pas, on va dire, hein, ces moments définitifs, on va dire, hein, sur cette liste, on va dire, hein, de choses voulues carrément. Ça viendra avec le temps, t'inquiète pas. Ce sera plus un samedi dimanche où je me lâcherai un peu, voilà quoi, je passerai le temps à écouter de la rumba, à me dandiner un peu sur la trappe, mais bon, là maintenant. Voilà, comme la série a bel et bien débuté et que j'ai du mal un tout petit peu à être en contact avec beaucoup plus de personnes, alors je me sers simplement, on va dire, de cette plateforme pour essayer d'interviewer beaucoup, alors beaucoup de personnes possibles carrément. Donc, family, le sujet d'aujourd'hui, attente face réalité carrément. C'est-à-dire, c'est dont on s'entendait, hein, on s'attendait à pouvoir voir ici, là. C'est dont on nous a bourré le crâne une fois sur place. Est-ce réel? Est-ce le même chose qu'on nous a relaté en dehors de la Russie et sur place, hein? Sont-ils réellement, on va dire, pareils, hein? Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre jusque-là, carrément. Est-ce le chose, hein, qu'on nous a relaté en étant en Afrique avant de venir ici, une fois ceux-là, hein, qui sont déjà ici, ont-ils réellement, on va dire, hein, croisé, soit sont-ils réellement butés, ont-ils réellement eu à le revoir ici ou non carrément, ou ça a été simplement de préjugés en fait. Donc c'est le sujet que porte, on va dire, hein, c'est live pour le jour d'aujourd'hui, pour ce soir. Donc les interviews concernent uniquement les personnes en Russie. Eh ben, ça dépend, hein, ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Mais plus particulièrement, ouais, celles qui sont ici, en fait, celles qui sont ici. Pourquoi? Parce que, en connivence avec ce qui se passe sur la chaîne, ce sera normal, hein, ce sera normal d'avoir des personnes vivant déjà ici, hein, qui pourront vous relater, vous qui aimeriez, on va dire, hein, un de ces jours, venir étudier, s'installer, soit se chercher ici, là. Ce sera quelque chose de bien, on va dire, pour vous aussi. Donc voilà quoi. J'ai fini cette année, la vie sociale est-elle bonne? Eh ben, ce sont, on va dire, ces genres de questions dont j'ai réellement besoin, famille. Vous qui êtes connectés, nous sommes pratiquement à 5 sur le live. Faites comme Enoch, posez vos questions en attendant d'avoir 2 ou 3 réactions, en attendant que certaines personnes qui m'ont promis d'être là, mais je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Hein,
où elles sont réellement, mais bon, on va encore passer pratiquement une vingtaine de minutes avant de basculer, on va dire, du côté YouTube et poursuivre la soirée tranquillement de ces côtés-là. Eh ben, écoute, Enoch, la vie sociale ici, là, elle est bonne. Elle est bonne. Et cela dépend également, hein, de moyens, on va dire, de tout un chacun, en fait. Je dirais d'emblée ça, en fait. Pourquoi? Parce que, il y a certaines personnes qui mènent une vie luxueuse. Il y en a d'autres qui aiment la modestie. Il y en a également d'autres qui aiment nager, on va dire, dans une classe assez sociale. Et ça dépend. Ça dépend de tout un chacun. Mais ce que je te dirais d'emblée est que la vie, elle est bonne. La vie, elle est bonne. Et surtout si on n'est pas une personne qui voilà qui se prend la tête pour de petites choses, hein. Tu vas mieux vivre ici là. Tu vas vraiment mieux vivre ici. En étant que ce soit en étant étudiant ou en étant on va dire hein, une personne lambda qui aimerait on va dire simplement voilà quoi venir s'installer ici là, la vie elle sera bonne. Et du moment où tu auras également la possibilité de te faire de l'argent, voilà quoi. Tu auras à vivre comme un petit prince ici. C'est qui est sûr, en fait. C'est qui est sûr. Si c'est, si et seulement si tu ne t'effroies pas, en fait. Nous sommes à quatre sur le live. S'il vous plaît, family, rendez-moi mes cœurs, mes likes, rendez-moi mes cœurs. En bas à droite, rendez-moi mes cœurs, j'en ai réellement besoin. On peut attraper un job facilement, et ben, cela dépend en fait. En étant étudiant, c'est un peu compliqué. Mais en ayant déjà la résidence d'ici là, il y a une certaine possibilité, oui. Il y a une certaine possibilité d'avoir un très très bon boulot et puis une source, hein, une rémunératrice hein, qui te permettra soit par mois, soit hebdomadairement, par semaine, de toucher, on va dire, quelque chose de bien pour mieux t'en sortir ici. Donc, je te dirais d'emblée, hein, si on a une casquette hein, étudiante, en ce moment-là, ce sera un peu compliqué. Ce sera un peu compliqué. Mais quand on a la résidence ici, là, que ce soit temporaire ou permanente, on a la possibilité de travailler dans n'importe quelle société, en fait. Donc, voilà, et donc, pour ta question. Mais sinon, il y a une loi qui a été votée hein, pour pouvoir donner la possibilité à tout étudiant hein, de travailler, mais elle n'est pas encore mise en vigueur, en fait. Et c'est ce dont les étudiants attendent. Hein. C'est cette loi, en fait, que les étudiants attendent. C'est un peu compliqué, puisque ce ne sera pas, on va dire, assez visible que ça. Pourquoi? Parce que y a tellement de boulot, soit des sociétés ici, là, qui déjà, on va dire, j'ai envie de dire, nourrit plus hein, de doutes concernant, on va dire, si vous êtes là, réagissez, hein, si vous êtes là, réagissez, parce que il y a un léger bug chez moi, là, si vous êtes là, réagissez toujours, family. Il y a un léger bug chez moi. En fait, il y a tellement de sociétés hein, qui doutent un tout petit peu de l'efficacité, voilà quoi, des étrangers. Raison pour laquelle le fait d'embaucher les étrangers, c'est un léger problème en fait. Voilà quoi, c'est un problème assez difficile, on va dire. Mais bon, pour ceux-là qui ont déjà la nationalité, soit la résidence permanente, temporaire, hein, ce sont ceux-là qui s'en sortent avec beaucoup plus de facilité. Et les étudiants, eux là. Ceux-là qui nécessairement veulent hein, s'en sortir et ceux-là qui étudient dans de grandes villes sont ceux-là qui s'en sortent un tout petit peu. Donc voilà en fait, Enoch, en espérant que je répondu à ta question. Nous sommes à trois sur le live, à deux maintenant sur le live. Vous êtes là, s'il vous plaît, réagissez, réagissez. Nous sommes encore là pour une dizaine de minutes, hein. Une dizaine de minutes, et puis ce sera parfait carrément. Donc, en espérant que tout sera bon. Eh ben, famille, vous qui êtes toujours présents, hein, dites-moi, c'est dont vous avez réellement besoin, on va dire. Posez-moi vos questions et ce sera parfait. Je vous reviens
tout le jour. Hein. Je vous reviens tout le jour, pratiquement, jusqu'à la fin de la semaine. Jusqu'à la fin de la semaine. C'est la semaine surprochaine, on va dire, hein, où je pourrais vous donner 2, 3 jours, hein, on va dire, hein, dans la semaine, où je ferai de live et je réaliserai des vidéos en même temps, on va dire. Parce que c'est un peu difficile également, hein, pour certaines personnes de se disponibiliser, de se libérer, vu que, on va dire, la majeure partie ont des occupations et tout et tout. Et ça, je respecte, ça, je comprends. Mais sinon, vos questions, n'hésitez surtout pas à me les balancer, hein, même sur YouTube, ce sera parfait, en fait. Les furies sont-elles ouvertes? Oui, elles sont grave, grave ouvertes. Elles sont tellement ouvertes. Je te parle plus, hein, de la jeune génération, hein. Elles sont plus ouvertes, on va dire. Pourquoi? Parce que depuis près de 5 ans maintenant, là, il y a une forte, on va dire, ouverture, hein, par rapport au monde extérieur. Il y a tellement de filles qui voyagent, on va dire. Et c'est qu'elles voient, on va dire, à l'étranger, elles veulent, donc, que ce soit également, on va dire, une percutée dans le rue, dans la vie sociale ici, là. D'où le changement, on va dire, hein, minimal de mentalité, en fait. Il y a une certaine évolution de mentalité par rapport à ces filles-là. Au jour d'aujourd'hui, hein, nous voyons plus, hein, en cours de route, que ce soit dans de milieux, on va dire, hétérogènes, de couples mixtes, on va dire, de couples interraciales. C'est ce qui est bien, ce qui est beau, en fait. Hein. Ce qui n'était pas le cas il y a de cela 10 ans, il y a de cela 5 ans. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus remarquable. Pourquoi? Parce que la mentalité a évolué. Il y a certaines filles, bien sûr, ce sont des cas un peu isolés, hein, qui s'attellent plus, hein, sur le regard, on va dire, de leurs copines, le regard des autres aussi dans la rue. Mais il y en a d'autres qui sont fortes des caractères, hein, qui n'étirent pas attention à ça. Au contraire, ce sont elles, hein, qui luttent carrément pour faire évoluer beaucoup plus, hein, voilà, les us et coutumes ici, là, pour que la mentalité change radicalement. Donc, c'est un peu ça, famille. C'est un peu ça. Et non, donc, ne t'inquiète surtout pas. Je pense, tu t'es préparé un tout petit peu, hein, pour la Russie, ou non? Tu t'es préparé un tout petit peu pour la Russie, hein? Vu tes questions, je me sens un peu en mesure, bien sûr, hein, d'apporter de la lumière dans n'importe quel sujet où il y a pénombre. Je t'apporte, voilà, la lanterne normale, carrément. Tu me donnes l'impression d'une personne qui se frotte un peu les mains, qui essaie un peu de peser le pour et le contre, on va dire, hein, pour pouvoir venir ici, là. Mais écoute, c'est quelque chose de très bien. Moi, je me donnerai un malin plaisir de te recevoir ici, là, et surtout de mieux t'orienter, hein. Et ce sera parfait, rassure-toi. Donc, voilà quoi. Il n'y a qu'une seule personne. Je suppose que c'est Enoch qui est toujours connecté. C'est un peu dommage, c'est un peu dommage. J'aurais bien voulu, j'aurais bien aimé avoir plus ou moins, on va dire, 2 ou 3 interventions. Mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. On ne baisse surtout pas le bras. Je vous attends, family, déjà sur YouTube. On va devoir peut-être arrêter là. Et puis, basculer du côté YouTube, certainement, certainement, à 22 h déjà, heure de la Russie, hein, chez vous, il serait 20 h, hein, je pense, soit 21 h, carrément. 22 h, 22 h, juste 22 h 30, j'essaierai sur un live YouTube. Et donc, si t'es pas encore, on va dire, abonné sur ma chaîne YouTube, fais-le, s'il te plaît, je t'attendrai de l'autre côté, et puis ce sera bien. J'envisage toutes les possibilités. La langue semble juste être un obstacle. Eh ben, écoute, la langue est un obstacle, bien sûr, hein, pour un début, on va dire, pour un début. Et comme tu le sais, hein, je t'apprendrai rien. Le début, en toute chose, a toujours été difficile, alors très difficile. Ce qui est sûr, hein, ce qui est sûr est qu'au bout déjà de 3 mois d'apprentissage, tu pourras, voilà, quoi, commencer déjà à mieux parler. Et cela dépendra également de la niaque, on va dire, que tu auras, de la détermination, de tout ce que, voilà, quoi, tu mettras en œuvre pour mieux apprendre la langue avec une certaine rapidité, j'ai envie de dire. Car cela n'est tienne, tu es intelligent, ça je le sais.
Et sache que il y a une forte possibilité pour toi de mieux apprendre la langue. Déjà au bout des 6 mois, tu commenceras à la parler couramment. Et c'est ce qui n'est pas, on va dire, hein, chose assez étonnante. Moi personnellement, j'ai toujours mis en exergue, on va dire, hein, ma propre expérience. Moi, quand je suis arrivé ici là, je ne connaissais même pas une consonne, même pas une lettre, même une voyelle. J'ignorais tout de cette langue en fait. Mais au bout déjà de 3 mois, avec beaucoup plus de liens, avec beaucoup plus, on va dire, de pratique aussi, hein, je m'étais tissé tellement, tellement de relations, toujours dans le but, on va dire, de mieux apprendre la langue et assez rapidement. Et surtout avec de petites et bonnes gazelles, quoi. Et très rapidement, au bout déjà de 3 mois, j'arrivais à formuler 2, 3 phrases et puis à comprendre, on va dire, mes interlocuteurs. Au bout des 6 mois, je la parlais normalement. Et déjà, au bout d'une année, ça glissait simplement, ça glissait. Donc, je pense que ce sera pareil, ce sera pareil. Tout compte fait, tu n'auras pas assez de choix parce que, si t'aimerais, on va dire, rester dans le patte d'une certaine personne, on va dire, hein, pour mieux t'encadrer en ce moment-là, t'aurais le problème. Mais si t'aimerais, toi, évoluer normalement, tu vas tout mettre en exergue, on va dire, pour mieux et rapidement apprendre cette langue. Ce qui est normal, en fait. Nous sommes à deux sur le live. C'est un peu triste ce soir. C'est un peu triste. Un bon mardi. C'est normal, c'est normal. J'aurais aimé avoir des intervenants, mais bon, je suis encore là pour 5 minutes. Ensuite, je serai du côté YouTube à 22 h, heure de la Russie, 20 h, heure de l'Afrique, je vais dire, soit d'Europe, hein. Donc, l'Europe centrale, 20 h carrément, je serai en ligne sur YouTube. En fait, faites également un tour de ces côtés-là, cela me fera énormément plaisir de vous savoir nombreux, on va dire. Si vous n'êtes pas encore abonné, les deux personnes qui êtes toujours connectées, faites-le, s'il vous plaît. Faites-le et ce sera parfait. Family, merci à vous surtout. Merci à vous. Je vais devoir peut-être arrêter là parce que c'est un peu triste aujourd'hui. Je vais devoir arrêter là. Merci à tous ceux-là qui ont quand même réagi. Merci à tous ceux-là qui ont été là, présents, en espérant que, voilà, quoi, demain, j'aurai la possibilité d'avoir 2, 3 ou 4 personnes sur le prochain live, carrément, si tel sera le cas, voilà quoi, je serai un homme heureux, je serai un type content. Donc, voilà. On se donne rendez-vous, on va dire, hein, sur YouTube à 22 h, je me répète encore, sur YouTube, on se donne rendez-vous, soyez là, famille, soyez là, je compte sur tout un chacun de vous, voilà quoi. Demain déjà, on aura un nouveau sujet pour ne pas revenir sur le même. Et en espérant, personnellement, j'espère avoir 2, 3, peut-être 5 intervenants. Ce sera quelque chose d'énorme en fait. Je sais que c'est très difficile pour certaines personnes de parler devant une caméra. Je vous rassure, ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile du tout. Parce qu'il y a certaines personnes, voilà quoi, qui perdent, on va dire, hein, même leur lexique, même on va dire le mot, pour avoir une conversation normale devant la caméra. Mais bon, chose que je comprends, hein. Si vous avez des hésitations par rapport à ça, sachez que je vous comprends puisque ce n'est pas facile du tout. Mais tout compte fait, ça vient avec beaucoup plus d'exercice, avec le temps, on va dire. De toutes les façons, on se donne rendez-vous sur YouTube, hein, à 22 h, je me répète. Hein. Vous n'êtes pas connecté, faites-le, abonnez-vous sur YouTube. On doit impérativement s'arrêter là, vu la situation un peu maussade de ce soir. Moi, c'est Vimarité, portez-vous bien, on se revoit très très bientôt. Allez, ciao!